vous pouvez nous dire ce que vous êtes venu chercher comme information au forum? En rapport avec mon BTS, dans le social et tout. Merci. Vous êtes de quel département d'outre-mer? Mayotte. D'accord. Et depuis combien de temps êtes-vous installé en France? Ça fait juste un mois. Un mois? Mm-hmm. Et vous avez trouvé les réponses qu'il vous fallait? Ouais. Oui. Oui, merci. On peut avoir un exemple de réponse que vous avez eue? Bah, ils m'ont dit qu'après mon BTS, je peux descendre à Mayotte et je pourrais trouver un travail dans le métier. D'accord. Et c'est quoi comme BTS vous voulez faire? Je fais un BTS SP3S dans le social et le santé. D'accord, très bien. Merci. Alors, vous êtes guyanaise. Pour quelle raison vous avez tenu à faire le déplacement à ce forum? Oui, parce que c'est une bonne idée. Je suis venue pour ma fille, essentiellement, qui est étudiante, et pour qu'elle voit les possibilités qu'offre la société civile et qu'elle fasse des rencontres éventuellement. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut faire comme étude? Elle va entamer sa troisième année en commerce. Elle est dans une école de commerce. C'est sa troisième année. Après deux années de prépa. Voilà. Donc, elle entame quel cycle. Quelle formation est-elle venue chercher? Bon, écoutez, là... Elle est sous le stand. En tout cas, oui, USA Education. Aux États-Unis éventuellement. Et nous sommes aussi passés sur le stand de la CTG aussi, évidemment. C'est le premier stand que nous avons visité. Mais vous avez d'autres stands comme celui qui est là-bas, qui parle de l'engagement au féminin. Et je l'invite vivement à s'engager au féminin parce qu'il y a encore des combats à mener. Je vous ai entendu poser la question des étudiants guyanais. Et évidemment, c'est un vrai combat qu'il faut mener pour que nos étudiants aient la possibilité de faire des études dans l'excellence. Merci beaucoup. Bonjour, donc moi je m'appelle Raya Chadjuli, j'ai 22 ans et je réside en région parisienne. Quel type d'information êtes-vous venu chercher au forum? Formation de type Bac plus 3. J'ai obtenu un BTS et du coup, étant donné que je ne trouvais pas de formation, je suis venue au salon pour pouvoir trouver une formation. Et vous avez trouvé réponse à vos interrogations? Oui, j'ai pu justement discuter avec une représentante d'une école pour tout ce qui est assurance. Et du coup, oui, je pense me diriger vers cette voie-là. Vous allez vous inscrire dans cette école? Oui. Vous êtes originaire de quel département? De Mayotte. De Mayotte? Oui. Et depuis combien de temps vous êtes en France? Depuis l'obtention de mon bac, donc en 2017, donc depuis 2017. D'accord, donc vous avez fait d'autres formations avant? Oui, c'est ça, un BTS du coup. D'accord, qui ne vous convient plus? Vous voulez faire autre... Si, mais justement je voulais continuer mes études et étant donné que je ne trouvais pas de formation, ça a été compliqué. D'accord, très bien, merci. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'information, ce qui explique votre présence ici au ministère de l'Outre-mer aujourd'hui, à ce forum? Alors, moi, je suis venu accompagner des camarades qui sont à la recherche de formation, enfin, découvrir ce que proposent les Outre-mer, quoi. Donc, parce qu'on n'en parle pas forcément, et ici, c'est l'occasion vraiment de faire connaissance, de parler aux gens et de voir les différentes possibilités qu'il y a, qui se présentent à nous. Ok, donc vous, ouais. Cela ne vous concerne pas directement? Enfin, je me concerne, si, parce que je suis étudiant maorais de Mayotte. Et je suis toujours en train de faire mes études, mais j'ai déjà un emploi qui m'attend, donc je suis là surtout pour faire connaissance avec des gens et voilà, découvrir ce qu'il y a aux alentours, quoi. Voilà. Okay. Merci. Et vous? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme information? Non, je n'ai pas cherché une information en particulier, mais c'est juste pour accompagner les gens. D'accord, merci. Non, pas maintenant, s'il vous plaît. C'est, on a déjà... Ça tourne. Vous êtes d'où? Je suis de Guyane. Ah ben super, c'est Radio Mayuri Campus. Est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme information ici? Ah, bonne question. Je suis venue voir ce qu'il y a d'intéressant. ce qui me plaît déjà. Et ce que j'ai à découvrir aussi. Et puis voilà. Et on verra. Je viens d'arriver, donc on verra. Et vous êtes dans quel type d'études faites-vous? Moi, je veux commencer un BTS tourisme. Donc voilà. C'est votre première année en France métropolitaine? Non, là, ça va faire ma deuxième année ici. D'accord. Et vous avez préféré venir en France que de rester en Guyane pour poursuivre vos études? J'ai préféré venir en France parce que il n'y avait pas de place en Guyane. Pour les études. Qu'est-ce que vous vouliez faire en Guyane?
Quel type de BTS vous vouliez faire ? C'était un BTS tourisme. Ok, d'accord. Donc voilà. Très bien. Et là, aujourd'hui, vous allez faire le tour des stands voilà. Pour, par curiosité ? Voilà. Très bien. Merci. Vous êtes ? Muriel Bils. Merci.